Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 4 de notre épopée portugaise. Vous avez vu comme j'essaye de changer de terme à chaque fois. Ça m'étonnerait que je tienne toute la série avec un nouveau terme au début de chaque épisode. Hein? Ben on verra. épisode précédent, on avait conquis Garbe et Fès. C'est en cours de légitimation. Oui, c'est ça, en cours de légitimation. En légitimant Garbe, on devrait finir notre mission et tendre notre glacis. Très bien. Réforme impériale, je m'en bats les steaks, mais d'une force que tu n'imagines même pas. Mais c'est très bien ça, pourquoi j'ai pas fait... Voilà, donc hop, puissance démissionnaire améliorée, hein, que la conversion aille un peu plus vite. Du coup, notre puissance commerciale à Safi a dû grandement augmenter aussi. Ah ouais, le mec il a des embargos sur la gueule, mais de partout. Oui, on gagne du pognon. On va bientôt se taper un soulèvement. Augmente-moi la maintenance. Alors, toi, tu vas prendre Cristobal Colon. En fait, non. Tu vas prendre lui, tu vas garder lui. Tu vas explorer comme ça. Cristobal Colon, on va le mettre sur cette flotte-là parce que la manœuvre augmente. Discipline. Bien, bien l'héritier. Oui, c'est un militaire le gars. Hein. Il a 6. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ah oui, j'ai mis Christophe... Je disais, laissez-moi parler. Je mets Christophe Colomb sur la flotte de commerce, parce qu'en fait, la manœuvre augmente l'efficacité des flottes commerciales. Accroît la puissance commerciale lors des missions commerciales. Et comme Christophe Colomb a 6 en manœuvre, voilà quoi, c'est mieux. Explorateur ivre. D'accord, prestige annuel moins... Bah, c'est pas grave, hein. De toute façon on est à plus 68 de prestige, ma gueule. Bien en avance en administratif, hein. On va peut-être éviter d'avancer quoi, hein, la perte de 1 en valeur fiscale sur un truc ici, hein. Ça reste une province à 10 de développement, c'est pas mal. Castille, ouais, elle a pris les doctrines d'exploration aussi. Ouais, Castille veut se lancer dans la colonisation également, non sans surprise évidemment. Renaissance, donc l'Autriche a adopté la Renaissance. Ça évolue comment chez moi là? Pourquoi 0,8? C'était à 0,10 tout à l'heure. Agent découvert, B. Faudrait que ça se dépêche d'arriver tout ça, hein. Ok, on a légitimé les trucs, la mission est terminée. Nous pouvons prendre une nouvelle mission et nous allons choisir... Nous allons choisir... Civiliser... Jour, voilà. Une possession. Ouais.
pas intéressant d'en faire des états pour l'instant. Il faudrait qu'on ait Meknes et Dukala. Le roi, coût des technologies, moins 5%. Oh, on est gavé sur nos... on est gavé avec nos souverains, c'est juste merveilleux, quoi. Je vais peut-être mettre un focus en diplomatique. On avance un peu dans les idées, en fait, parce que bon, l'administratif, on est vachement en avance, donc il n'y a pas besoin de le booster à mort. Importation de fer. Non, je prends du mercantilisme. Parce que le mercantilisme, c'est bon. Bah écoute, tu retournes pour chasser les pirates, toi. Voilà. Très bien. Agent découvert, très bien. Bah, il faut rembourser cet emprunt à la con. On les a déjà, les modificateurs. Mission du Nouveau Monde, ouais. Et Compagnie du Nouveau Monde, c'est bon. On pourrait accepter la culture andalouse. Un âge d'or pour la culture. Plus 5 de prestige, gratis. Ah, très bien. Voilà. Les clercs ne sont plus influents. Voilà, donc on a évité le désastre. C'est parfait. Ça diminue, ça? Oui, très bien. On était à deux doigts, quand même. Hein. Ah, voilà. Donc maintenant, on a une putain de portée coloniale de fou. Et du coup, on va peut-être pouvoir... peut-être pouvoir explorer plus loin. Oui. On va explorer un peu l'Afrique. Et je pense qu'on va accepter la culture andalouse. Ouais. Ouais, 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 on va faire ça. Quand on aura assez de puissance. De puissance ! La puissance ! Mon dieu. Ok. On est assez relativement calme. On a écrasé les mouvements rebelles. Donc on va baisser la maintenance de l'armée. Pour se faire un max de thunes et rembourser notre emprunt. Trop de commandants. Oui, 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 bah je m'en doutais. Lequel on va virer? Bon, on va virer l'autre tout pourri, là, et puis... puis on va mettre Christophe Colomb en exploration, hein, c'est pas grave. Je vais garder mon conquistador. Fais voir en portée coloniale. Aller jusque là. Est-ce que je colonise ça? Cap Vert. Ouais, je vais coloniser ces deux trucs là. Pour essayer de bloquer Castille. C'est bien parce qu'il a que un en diplomatique, donc il avancera pas très vite dans les doctrines d'exploration. Lui, il est tout pourri. Ah, c'est très bien. C'est très très bien. Ah oui, je... Quoi? Pourquoi je peux plus?
c'est pas grave. Du coup, toi, tu vas prendre Christophe Colomb. Tu vas continuer d'explorer. Et toi, je suis désolé, mais tu n'es pas assez bon. Tu dégages. Voilà. Alors, tu sais quoi, on va investir, hein, voilà. Je sais que du coup, on paye plus cher parce qu'on a la pénalité, mais c'est pas grave. Rapport financier. On peut le rembourser ? Ah, mais très bien, voilà. Ok, on a plus d'emprunt, c'est magnifique. C'est magnifique. Les vertes collines de Cape Coast. Cape Coast, c'est bien ça. Perte de 5 en hostilité. Non, c'est Côte de l'Or, moi, que je veux coloniser. Cape Coast. Ok, il faudra quand même qu'on envoie quelques troupes là-bas. Je ne prévois pas de guerre tout de suite. Succès de la conversion, c'est très bien. Hop, on va convertir Tanger. Deuxième armée. Mission d'exploration achevée. Coton, dans notre province qui était là-bas, exploré. Et du coup, ici, on produit du coton. Ça, voilà, ici, il y a Jour. Bah, c'est bien, c'est pas mal, coton. C'est bien, coton. Empiètement des nobles. La province des Açores va passer aux nobles. Ah, chiesse. Les Açores. Oui. C'est pas grave. Donnons les Açores aux nobles, écoute, si ça peut leur faire plaisir. C'est pas une province qui nous rapporte énormément, donc donnons-leur. Portugal n'est plus sujet à soutien aux marchands. On a droit à combien? 21 troupes. Et on va agrandir notre armée. Ouais, le prochain colon, il est là. C'est chiant qu'on n'ait pas de colon dans nos idées, dans nos doctrines portugaises. Alors que la Castille, eux, en ont un. Ils ont toujours pas d'idées en exploration. Donc normalement, ils ont toujours pas de... Ils n'ont toujours pas de colons. Donc voilà. Deux petites armées de 10. 6 moni. Le siège d'un dignitaire de Lisbonne est vacant. Un homme d'église issu d'une riche famille a avancé sa candidature. Non, gagnons. D'ailleurs, on peut peut-être demander un truc au pape. Qu'y aurait-il d'intéressant? Tiens, gagnons un en mercantilisme. Histoire d'améliorer notre puissance commerciale.
Toi, t'es en train d'explorer. Oui, t'explores l'Atlantique. On aura converti tout ça, on pourra se débarrasser de lui. Là. Pas un mec intéressant par là. Ouais, lui. J'enverrais bien un conquistador explorer le nouveau monde aussi. En fait. Le truc, c'est qu'il faudrait dégarnir totalement le continent, et on peut pas, parce qu'il y a le Maroc. 78, dans 4 ans. Bon, à terme, le Maroc, faudra le mettre à genoux, hein, de toute façon, parce que sinon, ils vont pas arrêter de nous faire chier. Je vais re-améliorer mes relations avec lui, là. Tlemcen, j'ai pas pour projet de lui casser les dents, donc... Est-ce que j'envoie mon conquistador explorer? On va faire ça. On va foutre la maintenance de l'armée. Le temps que la maintenance remonte, t'as le temps d'aller explorer encore quelques trucs. Castille. On a 15 faveurs avec Castille, c'est très très bien. On pourrait les appeler dans une guerre si jamais on a besoin. Qu'est-ce qui se passe en Lituanie? Ordre teutonique, Bohème, Ordre de Livonie et Magdebourg. Oui. Vous êtes pas à la joie. Hein. Ah d'accord, non, vous avez des séparatistes. Ordre teutonique, séparatistes. Oh, cela, oui, d'accord. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie en Europe de l'Est. En fait, je vais peut-être pas envoyer 10 000 hommes. Ouais, je vais peut-être pas envoyer 10 000 hommes au Nouveau Monde, ça va servir à rien. On va envoyer 5 000 hommes. Ouais. Envoyer 5 000 5 régiments d'infanterie. On va appeler expédition. On va leur mettre le conquistador. Bon, dépêche-toi de revenir, toi. Bien, tu explores de nouvelles côtes. Le truc que j'ai complètement oublié de faire, tu vas me désarmer ces forteresses là qui nous coûtent un bras. Voilà, merci bien. Ah bah oui, bah c'est tout de suite beaucoup mieux, hein. C'est tout de suite beaucoup mieux. Épopée nationale. Oui, j'aime le prestige. Surtout qu'on a un bon prestige. On va économiser en vue d'adopter... ça arrive, il y a l'Aragon là qui a... Hein. Alors où ça en est. 24, 22, 20. Lentement mais sûrement. Il y a des îles ici. Agitation à Tanger, oui, bah c'est parce qu'on est en train de convertir Tanger, donc il y a des fanatiques qui veulent jouer les shows. Je dépenserais bien un peu de puissance administrative
en développement. Ouais, on va améliorer quelques provinces. Province en fait. Celle-ci. Et encore une. Tiens, Lisbonne, voilà. Hop. Surcroît de dévotion a disparu. Tiens, on va remettre les chartes du Nouveau Monde. Ouais, c'est bon, c'est là. J'ai dépensé un peu de puissance admin en développant des provinces parce que on est vachement en avance en tech admin, donc on peut, voilà, on peut se le permettre. Enfin, on est en avance. Oui, si, on est en avance. Et du coup, ouais, ça a amélioré un peu nos revenus. C'est plutôt pas mal. 0,10, de toute façon, c'est toujours bon à prendre. Si c'est moins, ça vaut pas l'investissement, selon moi. T'es revenu, toi, ou... Non, t'es toujours... C'est quel nœud, ce machin? C'est un nouveau nœud. Ah! D'accord, donc il y a un nœud ici, c'est celui, c'est Yamapogeg. Pokeg. Et il va dans la mer du Nord. Ce qui n'est pas du tout intéressant pour nous, en fait. Bon, au moins ça nous fera une nation coloniale qui nous fournira des revenus. Mais c'est pas la priorité, quoi. Les deux petites îles là, c'est plutôt le continent, nous, qui nous intéresse. L'explorateur ivre a disparu, bah, très bien. T'as toujours 15 000 hommes, toi? Maroc. Mon brave ami Maroc. 8 000! Hey, t'as quasiment rien. On va faire des revendications. Because. Parce qu'on peut, because we can. On va revendiquer Doukala, je pense. Et Abda, pour avoir tout l'état du Maroc, tout l'état de Garbe. Et, Maroc central, c'est quoi? C'est Fès et Meknès et Tadla, ok. Et Marrakech, ok. Et là, après, c'est d'autres états, ok. Bien, bien, bien. Le Maroc, on va le grignoter petit à petit. Hein. Rival déclaré, Ottoman, Autriche. Oui, ben, pourquoi pas. Intégrer la Savoie. Tu te dépêches de revenir, toi? J'ai besoin de toi, là. Hiver normal. Il fait un peu froid. Et c'est le Canada ici. Hein. Je pourrais... Non, je vais économiser. Je vais pas construire un bâtiment tout de suite. On va claquer dans nos idées. Hein. On va un peu tomber en retard en doctrine, en techno-diplo, donc est-ce que je recrute un gonze?
attendons, attendons un peu. C'est pas dramatique. Ils sont à 5 quand même. 6. 5. Ouais. On va prendre l'idée ici là pour voilà, croissance coloniale générale plus 20. Parce que ça c'est bon. Et la prochaine fois, on investira en techno-diplomatique parce qu'il faut qu'on avance un peu là-dedans. D'ailleurs, on peut se permettre d'avoir un monsieur. Voilà. On perd un peu d'argent, mais enfin, on gagne moins d'argent, mais c'est pas grave. Ah, une guerre avec Tunis. Ouais, bah, Tlemcen va se faire manger à terme. Ah, on va avoir des frontières avec Tunis. Putain, ça fait chier. Ça fait bien chier. Tu reviens au bercail, toi? T'es où? Je te vois pas. Ah, t'es là. On voit toujours pas le nœud. Allez, rentre! Arctique, ouais. Alors là-bas, on n'y foutra pas les pieds, je pense. Hein. Non, merci, madame. Bon, on va peut-être arrêter cet épisode ici. Mission d'exploration achevée. Ok, on va juste amener l'expédition de 5000 hommes ici. Et on va arrêter l'épisode sur ça. On va arrêter l'épisode sur notre explorateur, enfin notre conquistador qui part à la recherche des cités d'or. C'est magnifique. Moi j'aimerais bien que Tlemcen gagne. Parce que j'ai pas envie que Tunis s'approche trop de chez moi. Surtout que Tunis est allié aux Ottomans, donc voilà quoi. Maroc, fabriquer une revendication. Voilà. On va aller explorer toutes les côtes là qu'on a trouvées. Après. Plus tard, dans le prochain épisode. Alors sachez que, je dis ça maintenant, mais je dis ça au quatrième épisode, mais j'ai tourné ces quatre épisodes à la suite, donc si vous avez posté des commentaires, hein, des conseils dans les épisodes 1, 2, 3, c'est normal si je ne les ai pas suivis, hein, parce que voilà, vous avez commenté, mais moi j'avais déjà tourné tous ces épisodes. Hop, toi, tu vas au port, et toi, tu vas rechercher les cités d'or. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Bah, j'espère que cette série vous... D'accord, Maroc fait un embargo. Ok. J'espère que cette série vous plaît toujours. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne ou sur Facebook et sur Twitter. Moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.